Tu n'es pas le plus beau, Carole Bouquet avec Pierre Palmade quand il cherchait l'amour. Dans son livre « Dites à mon père que je suis célèbre », paru en 2019, Pierre Palmade s'était épanché sur sa relation avec Carole Bouquet, avec qui il a tissé des liens forts au fil des années. Depuis son accident du 10 février, l'actrice est d'ailleurs l'un des seuls soutiens de l'humoriste, lâché par son entourage. C'est seul qu'avance désormais Pierre Palmade, qui ne peut compter que sur lui-même depuis le grave accident qu'il a provoqué le 10 février dernier. L'humoriste, qui roulait sous l'influence de substances lorsqu'il a percuté un autre véhicule, se bat contre ses démons depuis plus de 30 ans. Pendant de longues années, Muriel Robin et Michel Larocque l'ont soutenu, épaulé, jusqu'à cet accident tragique où elles ont finalement dit stop. Muré dans le silence. Les deux anciennes acolytes de l'humoriste lui auraient complètement tourné le dos. On connaît toute l'histoire. Moi je pense essentiellement aux victimes qui sont à l'hôpital. J'espère que la justice fera ce qu'il faut, je ne peux même pas dire la phrase. Adoucir quoi que ce soit, mais ça peut pas être adouci, je pense aux victimes. Comme je l'ai dit, avait déclaré Muriel Robin au micro de BFM TV, lors d'une sortie officielle en mars dernier, au théâtre Édouard Vie. Prise en charge à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif depuis le 14 mars, Pierre Palmade n'a plus grand monde dans son entourage. Sa sœur Claire lui ayant également tourné le dos après qu'il a prononcé une terrible phrase. Dans les colonnes de Paris Match, qui a dévoilé une photo de l'humoriste dans les jardins de l'hôpital. On apprend que Carole Bouquet, son intime de toujours, est l'un de ses derniers soutiens. Dans son livre « Dites à mon père que je suis célèbre », paru en 2019, Pierre Palmade avait évoqué son amitié avec Carole Bouquet. Avouant avoir tenté de la draguer. « Je l'ai draguée quelque temps d'ailleurs avant qu'elle me lance, arrête Pierre. Tu es homo, je le sais. Tu le sais, ça suffit, n'insiste pas avec moi », avait-il écrit dans des extraits repérés par Gala. Dans son autobiographie, l'humoriste de 55 ans expliquait avoir régulièrement des conversations sur l'amour et le couple avec l'actrice de 65 ans. Alors qu'il peinait à trouver l'amour, Carole Bouquet avait donné des conseils très clairs à son ami. Mais Pierre, trouve-toi un mec qui aime ton humour. Tu n'es pas le plus beau. Tu n'es pas le plus jeune. Par contre, tu es un mec drôle. Moi, je sais que je peux te détester. Mais si tu me fais rire, je te pardonne tout. Une amitié qui dure et qui résiste visiblement à tout.